Vidéo sur mon antenne qui est perchée à 5 mètres, la GPA30 que j'ai utilisée pour le dernier championnat de France de télégraphie de 2023. Donc celle-ci a très bien fonctionné, permettant de faire de belles liaisons Réunion, Guadeloupe, Guyane, Brésil, et etc. Alors ici nous trouvons l'antenne Lévy que j'ai utilisée lors du dernier championnat de France télégraphie et qui me sert également quotidiennement. Celle-ci est perchée au sommet d'un mât Spider-Beam de 12 mètres qui a été raccourci à 7 mètres. Ma foi, ça fonctionne bien. Alors maintenant, nous avons un regard sur la boîte d'accord F3 Lima Golf F3 LG que j'utilise pour accorder ma Lévy sur l'ensemble des bandes radio amateurs. Cependant, elle est utilisée uniquement sur le 80 et le 40 mètres, voire de temps à autre sur le 20 mètres, étant donné que sur les fréquences supérieures aux 80 mètres, si je peux dire, j'utilise ma Groundplane quart d'onde 40 mètres avec la LDG RT600, qui ma foi donne de bons résultats aussi. Donc accord série ou parallèle selon les bandes et en fonction des impédances au niveau de la ligne bifilaire de l'échelle à grenouille. Donc aussi nous avons un autre regard sur quelques bobines, la bobine 80 mètres. Par contre celle-ci vous la connaissez, c'est ma fameuse antenne quart d'onde 40 mètres que j'utilise également sur d'autres fréquences à l'aide de la boîte d'accord LDG RT600. Je l'ai également utilisé lors du dernier championnat de France télégraphie et je l'utilise aussi quotidiennement, il en va de soi. Alors elle fonctionne vraiment très bien. Par contre sur les fréquences supérieures à 7 mégas, j'ai utilisé la GPA30 que vous avez pu voir précédemment.